revient sur la question des modélisations, des jeux de société, des arts primitifs, des arts premiers, des systèmes de communication. Alors, sans qu'on puisse jamais déterminer ce qui va être institué par l'individu ou institué par la société, hein, il y a vraiment une zone de partage et une zone de lutte entre les deux qui existera toujours. Et c'est aussi au rôle de la culture de ne pas le censurer, de permettre qu'effectivement des prises de position là-dessus. Et ça va être essentiellement, je crois, par les outils qu'on va apporter. Alors effectivement, du côté, et parce que ça ne peut être que de ce côté-là, du côté de la pensée anthropologique, il y a effectivement des positions qui ont été prises, alors faut-il s'y arrêter ou pas, mais en tout cas qui soulignent l'impersonnalité des relations sémiotiques, cesse d'alimenter ce qu'on appelait le mythe de l'auteur aussi. Donc, avec des mouvements comme Support Surface qui vont s'intéresser à l'outil en tant que tel, avec des penseurs qui vont utiliser le travail que font les singes, etc., la place de l'outil, de l'instrument, de la vie psychique, de la vie cognitive, des opérations cognitives. On sent bien qu'il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de relation sans outils. On n'est pas comme une espèce d'être mystique qui se consumerait sur soi avec des visions esthétiques en attendant le paradis. Ça, c'est effectivement, la philosophie moderne a complètement balayé ce genre d'idée-là. Et donc actuellement, on est dans une grosse production sociologique pour anticiper sur les grands drames à venir. Mais enfin, il n'y a pas que les grands drames à venir, il y a aussi certainement ce qu'on aimerait partager, comme on disait à l'époque, ici et maintenant, dans un vivre ensemble. Et là, c'est l'introduction anthropologique, socio-anthropologique, tu disais exactement, enfin les positions que tu crées, mais qui renvoie directement à ça. Navarre peut offrir toutes les qualités, peut se transformer en jeu de société, peut être un dispositif type jeu de société. C'est-à-dire un jeu de société aurait dans ces conditions-là pour principe d'être un système de renvoi de portions d'espace de la ville, d'espace environnant la ville, qui permettent à ceux qui reçoivent et vont chercher d'informations de relancer à partir de la connaissance qu'ils ont de la modélisation de vie et ce qu'ils peuvent en faire là où ils sont et avec ce qu'ils sont, pour participer. Donc c'est effectivement, on rejoint la question de la démocratie participative à un autre niveau, pas du tout au travers un dispositif d'évaluation type sciences humaines. On est là dans un versant culturel beaucoup plus... moi personnellement, je défends en tout cas. Il n'y a aucune atteinte à la République ni à la démocratie, au contraire, ce sont des vecteurs et des facteurs d'expression pour la démocratie, dans un cadre républicain, et même si des communautés, ont des liens extra-communautaires, ils sont totalement respectés dans l'esprit de leur communauté, de toute façon. Il n'y a pas de choses antinomiques en soi.